plus générale de cette Terre sur laquelle on vit. On s'est rendu compte que la Lune interfère avec les processus du monde végétal, du monde animal, le Soleil aussi. Constatation absolument renversante, mais qui n'existe, qui est presque pas connue, c'est la suivante, c'est si vous prenez la dimension de la Terre, mais en prenant vraiment la dimension de la Terre telle qu'elle est connue en géophysique, les milieux officiels scientifiques, elle a un diamètre de 6000 et quelques kilomètres, 6700 kilomètres, un rayon de 6700 kilomètres. La Terre, et maintenant on a la Lune. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre et la Lune, à l'époque, il y a un peu une discussion entre les géologues. D'où vient la Lune? Il y a deux représentants de théories. Certains disent que la Lune a été capturée par attraction gravimétrique par la Terre et restée en périphérie comme satellite. Mais d'autres disent, ont des éléments pour argumenter, qu'il y a eu éventuellement une fois un impact météorique sur la Terre qui a provoqué un éclatement, une scission d'une partie de la Terre qui s'est détachée de l'autre, et ils disent c'est le domaine du Pacifique qui est un trou inexplicable pour la géographie mondiale. C'est de là-bas que la Lune aurait été détachée, laissant cette trace. Il faut entrer dans la littérature, c'est assez passionnant. N'empêche que la Lune a aujourd'hui une certaine dimension et circule autour de la Terre à une certaine distance, qui est exactement la même dimension que le Soleil qu'elle cache. Parfois, elle est vraiment devant le Soleil, distance 1 sur 1, c'est vraiment pas une distance au hasard, elle est vraiment associée au Soleil. Et cette idée d'une Lune qui se déplace de la Terre, qui se détache de la Terre, on peut la prendre maintenant du point de vue des dimensions, et on pose simplement maintenant la Lune actuelle sur la Terre actuelle. La Lune a 1700 km et quelques de rayon. Donc vous avez comme la Terre, avec dessus posée la Lune, c'est comme une orange posée sur la tête d'une personne. Et maintenant vous avez un rapport intéressant. Vous pouvez prendre la base de la Terre, ou bien simplement un rayon de la Terre, et poser sur la Terre, vous avez la Lune, vous prenez le centre de la Lune, vous faites ce triangle, ou bien les deux rayons de la Terre et ce triangle équilatéral, et ce triangle symétrique, et vous obtenez un rapport intéressant entre le rayon de la Terre et l'hypoténuse de ce triangle, donc le bord du rayon qui touche la Terre et le centre de la Lune posé sur la Terre, et le rayon de la Terre, vous avez exactement le nombre d'or. C'est 10 000 et quelques kilomètres sur 6 700 kilomètres, c'est 1,618 avec une précision de du pour mille, c'est d'une précision incroyable. Et ça interpelle, puisqu'on vient de comprendre que les plantes sont structurées d'après le nombre d'or, les plantes fonctionnent dans leur physiologie d'après la Lune et la Terre, l'interaction Terre-Lune-Soleil. La Terre et la Lune ont ces proportions là de nouveau, donc on a finalement une espèce de cohérence qui se met en place et qui nous interpelle. Et même, je suis en train de développer ce sujet au-delà, la Terre et la Lune par rapport au Soleil sont encore dans ces dimensions, dans ces rapports-là. Et si vous faites ce dessin de la Terre avec la Lune dessus, avec ce triangle qui se dessine, lorsque vous voyez ce triangle, vous l'associez immédiatement à la construction humaine la plus prestigieuse. C'est laquelle ? Quelle est la construction humaine la plus fameuse, la plus célèbre? La pyramide de Khéops. Et la pyramide de Khéops a exactement cette proportion, mais avec une précision par rapport au nombre d'or encore supérieure. C'est 0,02 pour 1000 de précision que la pyramide de Khéops a été construite. Ça signifie sur 1 km, ça serait 1 pour 1000, ce serait 1 mètre, 0,02, c'est 2 cm par kilomètre de précision. Donc les Égyptiens avaient là un principe de construction dont on a perdu la notion exacte. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont construit cette pyramide,
y a beaucoup de conjectures, mais il y a beaucoup de géométrie là-dedans. Voilà pour le nombre d'or, qui est tout un sujet que j'aimerais bien une fois développer davantage. Et je suis en train de me préparer à ça. Un sujet voilà. Beaucoup plus pratico-pratique. Les graines de Douglas, ça m'intéresse. Hein, oui, non, c'est bon. On est là pour discuter de la grande fresque. Ce soir, après un verre de cidre. Pourquoi les graines de Douglas, elles n'ont pas l'air de germer? Tu sais comment on pourrait les faire germer? Alors, il y a différentes techniques pour la germination des graines. Est-ce que c'est fertile déjà ici, situation? Oui, oui. Hein. Ça, il faut se demander, il faut vraiment faire des tests de germination, mais justement, certains Douglas ont besoin du passage du feu, d'une certaine température. Donc, il faudrait peut-être les mettre dans le four ou bien près d'un feu à une certaine température. D'autres graines ont besoin d'un traitement à l'acide, ça augmente le pouvoir de germination. D'autres graines, on les lime pour entamer un peu l'enveloppe de la graine et l'eau va pénétrer facilement dans la graine et ça va mieux germer. Et tu as des sources d'informations sur la germination des graines d'arbres? Parce que j'avais acheté un bouquin qui s'appelait Graines de feuillus forestiers, ouais, que je t'y connais. Ouais, ça parle d'une quinzaine, ouais, d'espèces, mais il n'y en a vraiment pas tant que ça en fait. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres ouvrages faits sur la germination des graines. Je viens de voir un article sur les semences forestières, sur la gestion des semences. Il faudrait que je voie là-bas, je pourrais envoyer ça. Oui, ça c'est intéressant. Parce que ça me semble assez essentiel. Si demain on veut se remettre à utiliser l'arbre, il faut qu'on produise nos semences. Exactement, oui. Et là, il me semble qu'il y a quand même une lacune assez importante, ouais, en termes de compilation du savoir. C'est juste, oui, ouais, il faut retrouver tout ça. Le séquoia est intéressant parce qu'il est relativement fort du point de vue végétatif, contrairement à d'autres résineux. Il peut aussi probablement être propagé végétativement, mais ça aussi, je ne connais pas directement, mais on pourrait imaginer. L'agroforesterie du séquoia, ça serait prestigieux. Je ne sais pas si ça coûterait beaucoup d'eau, mais ça fait un peu la classe. Tu as des traçants comme ça sur la ferme, tranquille. Ici, on a du thuya, c'est intéressant aussi. Le thuya, qui est très très plastique aussi dans les haies, on peut le tailler, il a cette odeur caractéristique. Et ce thuya a toute une histoire lorsque Cartier, c'était comment son prénom, le navigateur, Jacques Cartier exactement, est arrivé sur les côtes du Canada, ils étaient déjà pas mal abîmés, les marins, ils étaient pas mal malades. Et ils sont arrivés là-bas, ils avaient du scorbut et toutes sortes de maladies, et surtout du scorbut. Et arrivés sur les côtes d'Amérique, au Saint-Laurent, dans un village donc d'Indiens autochtones, lorsque les Indiens les ont vus arriver, et dans cet état, ils leur ont dit « bon, on va vous aider ». Ils sont vite allés en forêt, ils ont fait une décoction rapide, ils ont donné à boire et il y a eu une guérison absolument époustouflante de ces marins de Jacques Cartier. Et c'est depuis ce moment que cet arbre a aussi reçu un nouveau nom, c'était le Lignum Vitae, l'arbre de vie. Et effectivement, le thuya, ce n'est pas simplement un arbre qui est problématique pour les chevaux et autres, c'est vraiment un arbre qui a des substances absolument fabuleuses et dont la médecine actuelle fait beaucoup trop peu. On a beaucoup de plantes qui sont extrêmement intéressantes, mais c'est d'un côté trop simple, trop facile. La phytothérapie naturelle est quand même très efficace. Et là, c'est un bon représentant de thérapie naturelle. Il y a la thuya plicine dans le thuya, qui est une des substances très efficaces pour différentes maladies, je crois. J'ai une petite question. Est-ce que tu sais à quelle profondeur descendent les racines du séquoia? Parce que dans un livre qui était sorti il y a une petite dizaine d'années, là, c'était Les racines, la face cachée des arbres. Il parlait que communément, un chêne de forêt chez nous, ça pouvait descendre à 150 mètres les racines. Et la question qui me tarabuse, c'est par exemple nous, là, sur moi j'habite à Breteuil, là, à côté, donc on a nos terres, c'est 1 mètre de limon, une quinzaine de mètres d'argile, et en dessous, on a la nappe phréatique, et tous les puits sont à une vingtaine de mètres à peu près. Ouais. Donc là, on imagine que les racines ne descendent pas beaucoup plus profond, parce qu'après, c'est dans l'eau. Mm-hmm. Et ma question, c'est l'interaction entre les racines des arbres et la création des nappes phréatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des écrits là-dessus, des réflexions qui ont été menées
savoir est-ce que ces nappes phréatiques elles sont là par hasard ou c'est l'arbre lui-même qui les génère, je ne sais pas comment, mais c'est une question. Ouais. Alors, quelle profondeur les racines, ça c'est très variable. C'est vrai que des arbres renversés par la tornade, on voit que c'est des fois pas beaucoup plus qu'un mètre, et d'autres vont beaucoup plus profond. Ça dépend aussi de l'endroit où ils poussent. Et là, ces racines de au-delà de 100 mètres de profondeur, c'est vraiment des observations faites par les spéléologues. Au fond d'une grotte, on sait à quelle profondeur on se trouve, ils voient une racine qui arrive et qui est là, en train de s'alimenter en eau, à une profondeur connue. Donc il faut une faille, il faut que cette racine, elle ne s'est pas fait cette faille elle-même, elle a profité probablement de cette faille pour arriver à cette profondeur. Donc ça, c'est plutôt anecdotique, c'est possible aussi, mais c'est pas tous les arbres sont en train de faire une racine à 100 mètres de profondeur. C'est parce que la géologie s'y prêtait. Encore pour ça, juste un détail, on a observé que par certains moments, ces racines exsudaient de l'eau. Donc ça, c'est aussi un phénomène qu'il faut reconsidérer. Les racines ne sont pas seulement là pour aspirer l'eau et l'amener dans la couronne. Il y a aussi des situations où les racines des arbres ont beaucoup d'eau en surface et réalimentent les racines profondes. Donc on voit ces racines en profondeur exsuder de l'eau. Donc ça va un peu dans le sens de la nappe phréatique alimentée par les arbres. Ils vont beaucoup plus en profondeur pour s'alimenter. Mais je peux imaginer, je n'ai pas de données spécifiques, c'est qu'en période humide, en hiver, surplus d'eau, on pourrait imaginer que ces racines alimente les racines profondes et envoie de l'eau en profondeur. Et au niveau de la dégradation du minéral Ça c'est intéressant aussi. Si les racines n'exsudent pas que de l'eau, elles exsudent aussi des acides, là où il y a du minéral à attaquer, à disloquer. Et là, c'est la collaboration de bactéries, de champignons et d'exsudes à racinaires qui permettent cette décomposition minérale, ça c'est clair. En fait, c'est une question qu'on se pose, je dirais, d'un point de vue agricole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on développe des stratégies de remise en vie des sols avec du semis direct, etc. On essaie de retrouver dans les horizons supérieurs l'activité biologique, la matière organique. Mais après, sur le temps long, qu'est-ce qu'il en est des nappes phréatiques, qu'est-ce qu'il en est des horizons en dessous du sol, on ne sait pas. Ouais. Et c'est la grande question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de refaire un peu d'agroforesterie pour la gestion de l'eau, notamment sur le temps long. C'est un peu ce que font les permaculteurs lorsqu'ils établissent des bassins relativement hauts sur le flanc, sur la côte, pour alimenter tout ce qui est en contrebas, mais entouré d'arbres, pour que ça soit vraiment efficace en profondeur. Sepp Holzer travaille, a fait des trucs comme ça aussi en Espagne. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un à visiter les réalisation des permaculteurs en Autriche ou bien en Espagne. J'ai vu une vidéo sur Zepp Holzer. C'est assez spectaculaire ce qu'ils font là. Donc là aussi, est-ce que c'est possible partout d'aménager des bassins de rétention d'eau qui permettent de réalimenter la nappe? C'est peut-être pas si simple, ça dépend un peu de la géologie. Il faut de l'argile aussi pour colmater. Mais le fait est, c'est que les arbres, ils sont vraiment liés à cette nappe phréatique. Et puis cette nappe phréatique, elle bouge, hein, elle a une certaine vitesse de déplacement. Il y a toujours une zone d'alimentation en flanc de montagne, par exemple, qui reçoit plus de précipitations. Et ça a un débit en direction des altitudes inférieures. Et on a mesuré la vitesse de déplacement du flux de la nappe phréatique. Et c'est d'après ça qu'on établit la cartographie des zones de sécurité autour des captages, par exemple. Parce qu'il y a vraiment cette nappe qui avance. Tout ça, c'est des domaines intéressants. Ces cours d'eau souterrains, quel est l'effet sur les arbres? Il y a des légendes qui seraient intéressantes à vérifier, c'est que les fibres torses sont beaucoup plus fortes lorsqu'il y a un cours d'eau souterrain. On lirait d'après la morphologie des arbres où est-ce qu'il y a une nappe en mouvement, où est-ce qu'il y a un cours d'eau souterrain. Et ça va très loin. Les Indiens en Inde, avec leur très ancienne tradition, ont toute
une méthode de diagnostic du terrain pour dire ici, à telle distance de tel arbre, s'il a poussé comme ça, s'il a fait une fourche ou bien s'il est associé à tel autre, on est sûr de trouver une source à telle profondeur. Et ils creusent et ils trouvent. Simplement, ils ont établi la relation entre la végétation, entre les particularités de la végétation et les provenances d'eau souterraines. Donc là, il y a des champs à explorer, aller plus loin dans cette direction. Et puis avec les outils actuels, on pourrait vraiment comprendre comment ça fonctionne, cette interaction nappe phréatique et arbre. Ce n'est pas à sens unique. Les arbres alimentent et sont alimentés probablement. Il faudrait passer plus de temps à observer aussi. Aussi, oui, certainement. Il y en a qui sont doués pour faire ça. Voilà, on est presque arrivé au bout. Maintenant, pour moi, la partie la plus importante, c'est quand même l'échange avec vous, en plus de toutes les interventions, toutes les questions. C'est qu'on ait un peu un feedback, un échange dans tous les sens sur cette formation. Sous le thème de l'arbre comme modèle pour le futur, où j'ai essayé de montrer que comprendre comment fonctionne l'arbre, c'est quand même quelque chose qui nous livre quelques clés pour comprendre pour nous, en tant que culture humaine, apprendre à fonctionner de manière plus efficace en fonction des opportunités ou des contraintes de la nature. Et là, on a vu l'eau, le carbone, la biomasse, la formation des sols, les cycles de l'eau naturellement, y compris les structures, compréhension des structures, comment construire. Tout ça, ça finit par former un corpus de connaissances qui nous permet quand même d'avoir des options intéressantes et d'offrir des solutions porteuses d'avenir. Quelles sont vos remarques ou bien vos expériences? Qu'est-ce qui vous a intéressé, paru important, qui vous a été nouveau? Et qu'est-ce qui était pour vous, qu'est-ce qui est resté encore sous forme de questions que vous auriez attendu comme apport et qui n'est pas venu? Est-ce que vous avez peut-être des choses dans les deux sens? Les deux sont importants, à la fois pour consolider ce qu'on fait, mais aussi pour essayer de remplir certaines lacunes. Qu'est-ce que vous pourriez dire dans ce sens-là? Il y a le côté... Ça viendra. Il y a le côté enveloppe, lisière de forêt, l'enveloppe, que je comporte. J'essaie toujours de rapprocher l'organisme vivant, la forêt, mon corps, dans la peau. On a aussi tout un... C'est très riche en biodiversité sur la peau. Tout ça, je me dis. Ça nous protège, pareil. Ouais. Et puis je conçois plus encore la forêt là comme un être vivant. On ne conçoit pas la planète comme un être vivant, quoi. Ouais. On prend conscience du sol. Enfin ça m'a bien parlé. Voilà. Et puis ça sort une demi-journée de formation en plus, ça c'est. Oui, ça peut. J'ai dû passer rapidement sur des choses que j'aurais bien aimé vous partager avec vous, mais. Contrainte du temps, mais beaucoup de choses sont dans le livre et sont en préparation pour des livres suivants aussi. Merci, ça c'est important. C'est notion. Dans cette ligne, vous parlez aussi de l'occupation bactérienne des microbes de notre propre peau. C'est le livre de Marc-André Seulles, Jamais seul. Il est fabuleux, il va très très loin dans cette direction-là. Ça montre à quel point le vivant travaille avec le vivant, c'est pas... La stérilité, la solution, c'est la diversité, la solution. Il y a aussi... On a une formation avec Marc-André Seulles prévue en mars, si y en a qui s'intéressent. Ah, magnifique, oui. Voilà, il faut venir me voir. Parfait, c'est très bien. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. C'est recommencer aussi au niveau technologie alimentaire, les fermentations. C'est faire travailler les micro-organismes, tout ça on l'a négligé. Et Seulles le montre très bien. Une deuxième remarque ou proposition ou suggestion? Moi j'ai juste une petite question qui est passée vite parce que je pense que c'était peut-être anecdotique, mais moi ça me fascine, ça fait plusieurs fois que j'entends ça, que les forêts sont capables de déclencher des pluies. Oui, ça c'est relativement récent. C'est que les forêts. Elles ont des odeurs,
C'est vrai que quand on se promène en forêt, on sent des odeurs. C'est donc des particules chimiques en suspension dans l'air. Et en particulier en été, vous avez toute la thermique qui provoque des mouvements d'air extrêmement forts. Et vous avez des nuages de pollen de Scandinavie qui vont jusqu'en Angleterre, par exemple. Les pollens, c'est quand même des particules relativement grosses pour le microscopique. Et au-delà de ça, vous avez des particules chimiques émises par les arbres qui se transforment à haute altitude et qui sont de nouveau transformées photochimiquement avec l'effet de la lumière et qui se remodulent en plus grandes molécules ou bien fragmentées, ça va probablement dans différents sens. Et c'est ces petits fragments, ou bien des grains de pollen, des poussières ou bien simplement des macromolécules qui servent de grains de condensation. L'eau ne condense pas n'importe comment. Vous avez une certaine humidité, mais pour avoir une précipitation, il faut une certaine impureté de l'air. Il faut des grains de condensation. Ça, c'est formulé par les géophysiciens. La quantité de grains de condensation varie selon les phases lunaires. Je reviens toujours à la Lune. Et ça, c'est un effet des forêts, la provocation des pluies au-delà de la formation des nuages. Et ça, c'est bien thématisé justement par Gerald Pollack dans son livre « La quatrième phase de l'eau ». Il montre vraiment c'est pourquoi est-ce qu'un nuage se forme comme ça en boule bien cohérente et pourquoi brusquement il y a des précipitations. Tout ça, c'est les nouvelles approches sur l'eau qui sont extrêmement intéressantes. Il y a l'expérience de Lampedusa, l'île de Lampedusa, qui était... boisé jusqu'en 1850, je dis un chiffre à peu près. On s'est implanté sur cette île, au sud de la Sicile. On a coupé pratiquement tous les arbres. Il n'y a pratiquement plus de pluie. Mais avant, ces arbres avaient leur pluie. Donc, et toute la Méditerranée a été transformée à cause de ça. À l'époque, on dit qu'un écureuil était capable de faire le tour de la Méditerranée sans toucher le sol. Même l'Afrique du Nord, la Libye chez les Romains était le grenier des Romains. Il y avait des cultures très très importantes en Libye, dans les zones presque désertiques aujourd'hui. Donc là, on a vraiment des modifications qu'on devrait essayer de récupérer, et de regagner par rapport à l'avance du désert. Et c'est possible, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on imagine. J'ai un collègue qui habite pas très loin de chez nous, qui travaille dans le Maharashtra en Inde, ou bien il est en train de travailler dans le Malawi en Afrique et ailleurs. Et c'est impressionnant. Ils font donc des plantations selon les lignes de niveau, comme j'ai montré en schéma, avec une rigole qui empêche l'eau de s'écouler et s'alimente les arbres. Et lui-même, il a dit, j'ai vu recouler des rivières, parce qu'on oblige l'eau à entrer dans le sol plutôt que de partir en surface. Et là, il faut très peu de machines, et là, un peu de mécanisation est très très bonne, parce qu'on est très efficace. On ne peut pas faire ça à la main, mais ça, c'est vraiment efficace. Comme fait Sepp Holzer, il travaille aussi avec des machines, mais il modifie des paysages. Et les Chinois sont allés très loin, ils ont fait reverdir des zones complètement dégradées par ces méthodes de traitement de bassins versants, avec ces techniques très simples. Mais les arbres sont importants. Et ce qui est important autrefois, c'était l'utilisation partout, c'est pas par hasard qu'il y avait partout des terrasses, vous prenez l'Ardèche, vous prenez la Provence, partout en Valais chez nous, tout était en terrasse. Ils savaient qu'un terrain en pente n'a pas sa fertilité. Les substances minérales sont évacuées, l'eau part en surface. Et il faut vraiment à la fois de la rétention de l'eau, mais le mieux c'est encore des surfaces horizontales qui sont vraiment stables. Et là vous pouvez avoir des cultures. Et aujourd'hui ce serait la dernière manière d'utiliser le pétrole. Ce ne serait pas dans des voyages inutiles, ce serait vraiment pour remodeler le sol pour avoir les terrasses du futur. Comme en Amérique du Sud, on a des zones entières qui étaient entièrement modelées, aussi des zones marécageuses avec des buttes. Et c'est des zones immenses qui étaient modifiées par l'homme, extrêmement productives. Encore une remarque ou bien peut-être une suggestion pour parler d'autre chose. Ah, ça j'en suis sûr. Si.
Si j'avais une ferme, je ferais de toute façon quelque part une spirale et je mettrais les proportions pour qu'on s'y sente bien. Et c'est peut-être des exemples de haies, comme tu les verrais, quoi, en fait, quoi, sur un espace donné, je ne sais pas. Oui, il faudrait. Pour donner des images, est-ce que tu veux plus plastiquement, exactement. Là, c'était un peu virtuel, exactement. Des exemples typiques. Oui. C'est une bonne suggestion, mettre des images, des présentations ou bien des schémas. On a une règle générale que j'ai relevée quelque part, c'est que l'espacement idéal pour des haies serait de 200 mètres. C'est même beaucoup plus que ce que vous faites chez vous. Mais avec ça, on aurait déjà un paysage relativement stable, avec un climat vraiment amélioré. Et 200 mètres, c'est une grande distance pour travailler encore avec des machines. Et malgré tout, on aurait vraiment un climat modifié. Et l'épaisseur des haies, c'est, je ne sais pas, quelque chose comme 10 mètres. Alors 10 mètres sur 200 mètres, c'est 5 mètres sur 100 mètres. C'est du 5%. 5% des surfaces. Allez-y. Là, dans ton diaporama, c'était 25%. 25. Donc un calcul pour combien de biomasse faut-il pour augmenter la matière organique. Et ensuite, on peut de nouveau éclaircir un peu si on a atteint les 5%. 5%, ça pourrait être la restauration des étendues incolunaires. Voilà, oui. Donc ici, on a des grandes surfaces en Europe qui pourraient vraiment, avec très peu, être remodelées et améliorées. Merci pour la suggestion, je vais faire plus dans ce sens. Oui. Et si on replante des arbres, est-ce que c'est plus intéressant de les planter, là je parle par exemple au maraîchage, d'en implanter un peu ponctuellement, ou est-ce qu'il vaut mieux justement se dire je fais plutôt des petites haies, du coup de les laisser un peu oui. ensemble en fait? Alors les arbres individuels, c'est clair, c'est joli à voir, mais ils ont vraiment besoin de leur humus. Hein. Un arbre sur un terrain nu, c'est pas encore ça, il n'est pas en forêt. Et il est en situation un peu artificielle, il ne va pas pouvoir travailler très bien. Moi, j'imagine des bandes, des lignes d'arbres englobées par de la haie, donc genre taillis souffutés, quelque chose comme ça. Avec alternance d'espèces, des espèces fruitières alternées, mais avec du sauvage entre deux. Parce qu'on a pas mal de maraîchers qui commencent à installer au milieu de leur planche de culture oui. Un arbre voilà, tous les 5-10 mètres. Oui, mais ça amène le problème qu'on a entendu avec le noyer et les serres tout autour, parce que le noyer explose parce qu'il va s'alimenter sous les serres. Je serais un peu précautionneux d'installer des arbres comme ça directement près de cultures intensives plutôt, qui est la proximité pour le bois ramial fragmenté par exemple, et des zones extrêmement fertiles avec toute la diversité animale, les oiseaux, les insectes, mais ça alternant avec le maraîchage par exemple, mais produisant du matériel intéressant qui serait donc transférable.